de l'histoire de chacun de nous qu'on vient de présenter ici devant vous. Je voulais accepter, il m'a promis, que la crainte qui l'empêche de croiser, emmène la France entre vivre ou mourir, et le débaptiser une fois qu'il se facile. C'est ton choix qui fait qu'il y a un film. Chacun ses choix, chacun son chemin, mais pour tous un but commun, trouver le bonheur. Alors vas-y, c'est l'heure. Voilà. Où chercher, où regarder, vers quoi se tourner? Selon les circonstances, les expériences, on garde des choses sur le cœur, comme gravées au marqueur. J'ai volé par mes propres ailes, je l'ai fait porter par l'air et m'envoyer en l'air. Au final, des cicatrices pour moi et elle. Pris dans le labyrinthe de la vie, on se sent libre d'aller ici ou ailleurs, mais toujours coincé à l'intérieur, sans trouver la sortie. Pour l'être vrai, avoir une vie de vérité, aller de l'avant, travailler, gagner, épuiser mes forces, mon avenir, tout semble éparpillé, mais mon cœur encore insatisfait. Tu regardes plus loin que le bout de ton nez. Vas-y, prends le temps de t'arrêter et d'observer. Tu pouvais sentir en toi ce besoin de faire un choix. Je voulais pas y exister, et au moment où je voulais tout effacer, je m'en rappelais qu'il était là. Pour me dire ne t'en va pas, la vie est devant moi et Dieu sera toujours là. Peut-être te questionnes-tu sur l'équation de la vie, à la recherche de l'inconnu, essaye la réponse Jésus-Christ. Pourquoi être né? Pour vivre, être vivre. Merci papa, merci maman, merci d'avoir créé ma mère. Fais ton choix, vive. Lui, il t'aime sans condition. Il te propose une relation qui peut t'amener à prendre une toute autre direction. Et puis, dire oui, dire non.